Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Alors, Havas est récompensé ce soir dans la catégorie Large Cap International. Qu'est-ce qu'un Grand Prix CF News apporte à un groupe comme le vôtre? Ben écoutez, ça apporte la reconnaissance d'une stratégie de croissance qu'on a mis en place depuis un certain nombre d'années. Nous, on ne fait pas de la croissance pour la croissance. On l'a fait principalement pour accompagner nos clients dans la diversification de leurs investissements en communication et aussi pour apparaître comme le groupe à la fois le plus diversifié, le plus intégré. Donc, se voir reconnaître par CF News comme l'acteur qui a le plus performé dans ce domaine, ça nous procure énormément de satisfaction et ça nous donnera évidemment encore plus d'attractivité demain. En tant que dirigeant d'un groupe coté, qu'est-ce qui vous intéresse le plus chez CF News? En fait, je veux dire, c'est se tenir au courant de l'actualité des affaires, parce que la vie des affaires, ça avance à la vitesse VV'. Il faut être aux affûts, notamment quand on regarde effectivement les acquisitions. Tant pas essayer d'acheter des entreprises qui ont déjà été achetées, donc c'est bien d'être au parfum. Et puis au-delà de ça, c'est intéressant de voir effectivement comment les autres entreprises achètent. Et en fait, toute la vie corporate et M&A, moi, me passionne et CF News est incontournable si on veut suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci Bogdan.